Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle animation de boxe, donc cette fois-ci la boxe médium du mois d'avril. Je vous invite à aller faire un tour sur YouTube si vous voulez voir les autres boxes, les boxes des mois précédents et les animations générales. Vous aurez logiquement une petite bulle d'infos en haut avec les vidéos ou sinon dans la description. Je pense que vous allez réussir à trouver ça. Donc aujourd'hui animation de la boxe médium du mois d'avril, donc une boxe pré-ouverture carnassier. Je vais essayer de vous guider rapidement pour animer les leurres qui sont présents à l'intérieur. Donc là on est sur le Tarn aujourd'hui dans la ville de Millau. On va passer directement au premier produit, donc c'est un hybride entre un finesse et une créature, c'est le Hydro End de Dewa qui va permettre de pêcher relativement lentement près du fond sur des spots pour insister un peu. Là-dessus, j'ai directement rajouté une tête plombée, c'est les Jigged Mix de chez Zebco, de chez Quantum, donc où il y a du 5, 7, 10 et 14 grammes qui vont vous permettre de vous adapter au leurre et aussi aux différents spots. Là, je me suis mis lourd parce qu'il y a beaucoup de vent, beaucoup de courant, donc ça va pas être une pêche très discrète, mais c'est vraiment pour essayer de vous montrer l'animation. Donc le but, ça va être à peu près de jeter au milieu. Donc là, ça se jette bien, bien loin. Avec le vent, ça va pas être évident. Donc là, le but, ça va être vraiment de prendre contact avec le fond. Donc on va essayer, je ne vois pas vraiment la bannière, de voir sa bannière. Et dès que la bannière se détend, si vous êtes au fond, si vous avez une canne bien sensible, pas trop de vent, vous allez vraiment sentir un touc dans votre canne qui va vous indiquer que vous êtes sur le fond. Et ensuite, vraiment des animations très très lentes. Là, je sens bien les cailloux. Vraiment des animations très très lentes. Essayez de faire des petits tressautements sur le fond. Et de pêcher relativement lentement, de vous déplacer gentiment. Si vous avez un spot très précis à pêcher, c'est vraiment le genre de leurre à employer. Si vous savez qu'il y a du poisson à ce spot-là précisément, vous lancez, vous faites vraiment des toutes petites animations, toutes discrètes. Vous vous déplacez sur le fond, vous n'hésitez pas aussi à le laisser reposer un petit peu, faire des pauses, et vous le déplacez tout tranquillou comme ça. Voilà, hop, vous mettez des toutes petites tirées. C'est pas un leurre de prospection rapide, c'est vraiment un leurre pour insister sur un endroit où vous savez qu'il y a du poisson, où vous savez que ça ne prend pas avec du chat. C'est vraiment ce type de leurre-là que vous allez pouvoir mettre justement pour insister. Donc ça pourra prendre de tout, hein, que ça soit. Donc là on va ramener, sinon je vais rester au fond, que ce soit de la perche, du sandre, même du brochet, mais principalement perche sandre. Logiquement c'est là-dessus que vous aurez les meilleurs résultats. Deuxième produit de la Fisher Box, donc cette fois-ci toujours de chez Dewa, c'est le Grubbin en 10 cm. Donc je pense que vous allez le voir, un leurre avec un corps annelé et surtout une queue de grub au bout. Ça c'est vraiment un leurre fait pour faire de la prospection rapide. Entre deux rafales de vent, je vais vous faire un petit lancer. Hop, donc là on va laisser couler un peu parce que je sais qu'il y a du fond, j'ai quand même pas pêché en surface. On va laisser couler quelques secondes et ensuite du lancer ramener classique. Vous lancez, vous ramenez. C'est vraiment un leurre qui est fait pour ça. L'avantage de ce type de leurre là, c'est que par contre ça s'anime vraiment à très 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 basse vitesse. Donc vous pouvez faire des ramenés très 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 lent. Donc là je suis au fond, je vais remonter un peu ma canne et mouliner un petit peu plus rapidement. Parce que là, je me suis mis en 10 grammes. Mais voilà, vraiment, vous ne prenez pas la tête. Du lancer ramené avec. Variez juste la vitesse de récupération. Variez juste le temps que vous allez laisser couler si vous voulez prospecter différentes couches d'eau. Et variez les têtes plombées. Donc voilà, vraiment un leurre pas compliqué à animer. Du lancer ramené. Hop, là, on remonte, on arrive près du bord. On remonte un peu la canne pour éviter de s'accrocher. Voilà, hop, je suis passé sur un caillou. Et malheureusement, ça ne sera pas ça. Troisième produit de la box medium, donc là, un produit vraiment très sympatoche de chez Sakura, c'est le Cajun ou le Cajun. Donc là, c'est un Chatterbait. Chatterbait, c'est vraiment un leurre qui est pas très connu, surtout, je pense, pour les novices. C'est en gros, c'est un leurre métallique croisé avec un jig. Donc je pense que vous le verrez sur les gros plans. Vous avez une sorte de palette devant qui va lui permettre, en gros, de s'animer. Et à l'arrière, vous avez une jolie jupe et un hameçon. Ce que je peux aussi vous recommander de faire, si vous voulez rajouter un petit peu de volume et d'attractivité, c'est de rajouter un leurre souple, ce qu'on appelle un trailer, directement sur l'hameçon derrière. Donc là, logiquement, entre 8 et 10 cm, surtout 10 cm, ça devrait être à peu près la bonne taille, soit un finesse, soit un grub, soit un shad, pour ajouter un petit peu plus d'attractivité. Donc c'est un leurre qui va bien marcher sur un petit peu tout. Sur le brochet, ça peut vraiment être très sympathique pour insister, surtout que normalement, c'est un leurre qui passe plutôt bien dans les obstacles. Là, on n'est pas vraiment dans les obstacles, donc je vais vraiment essayer de vous montrer deux types d'animations. Donc la première, ça va être la plus simple, ça va vraiment être du lancer ramené. Mais au début, on va vraiment essayer de prendre contact avec le fond. Donc on va lancer notre leurre. On va essayer de garder notre bannière à peu près tendue. On va attendre de prendre contact avec le fond. Une fois qu'on est au fond, on va commencer le lancer ramené en linéaire. Tout simplement. Voilà. Et là, vous faites du lancer ramené. Vous vous ramenez en cranking jusqu'à vos pieds. Donc là, le leurre va vraiment s'animer tout seul. La palette, en fait, va le faire onduler. Ça va envoyer des flashs lumineux. Ça va faire du bruit. Ça va vibrer. Donc ça va vraiment être le premier type d'animation le plus simple. Et vous allez voir, la deuxième est vraiment pas compliquée non plus. Donc là, en plus, ça sent vraiment. Dans la canne, vous allez le sentir, ça vibre énormément. C'est un peu comme un spinnerbait, c'est vraiment un leurre qui déplace pas mal d'eau, qui va vraiment être très sympa pour faire bouger les poissons. La deuxième animation, alors là, il est parti un petit peu bizarre. J'ai pas lancé super bien, mais c'est pas grave. On va faire pareil, on va prendre contact avec le fond.
Et cette fois-ci, on va faire une animation plus typée de Dancy. Donc une fois qu'on est au fond, on ramène un petit peu, on arrête. Donc là, le leurre va recouler, va reprendre contact avec le fond, on recommence. Donc en fait, tout simplement, vous allez faire décoller votre leurre, retomber votre leurre, décoller votre leurre, retomber votre leurre. Après, ce que vous pouvez faire des fois, c'est le faire monter un petit peu plus, ça vous allez voir, ça vibre énormément. Et ensuite, le laisser descendre gentiment. Et ensuite, vous reprenez votre animation. Donc c'est vraiment un leurre, je vous invite vraiment à insister avec ce type de leurre-là. C'est un leurre très peu connu, peu de gens pêchent avec, mais c'est vraiment très 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 sympathique. Justement, bah, ça permet en plus de proposer aux poissons des vibrations qu'ils n'ont pas trop l'habitude de voir. Et vous allez voir, quand vous allez commencer à prendre du poisson, vous allez vous y habituer et vous allez pêcher beaucoup plus. Produit suivant, donc avec le chatterbait, malheureusement ça n'a pas voulu faire, j'ai insisté un petit peu, mais bon, j'ai pas pris de touche. Donc produit suivant, c'est ce qu'on va plutôt appeler un long bill minot. Donc c'est vraiment un mix entre un jerk et ensuite un crankbait, donc un jerk avec une bavette un peu plus longue qui va vous permettre de prospecter des profondeurs un petit peu plus importantes qu'avec un jerk à bavette classique. Donc là, c'est le Gypsy ou le Gypsy de chez Quantum. Un long bill plutôt classique, là avec un coloris agressif. Au niveau de l'animation, là honnêtement, on va pas se prendre la tête. Donc on va jeter en plein milieu. Hop là, ça se bazarde pas trop mal. Et donc, on va commencer un petit lancer ramené en linéaire. Et surtout avec ça, n'hésitez pas de temps en temps à mettre quelques gros jerks et surtout à faire des pauses. Sur ce genre de leurre là qui déplace pas mal d'eau, les jerks, souvent les pauses, et avec une reprise des fois un petit peu brutale avec un jerk ou une animation plus sèche, ça peut vraiment des fois déclencher les poissons, surtout sur les brochets. C'est clairement un leurre qui va vraiment bien être typé brochet. Donc là vous voyez, j'arrive même à aller au fond. On va retenter un lancer bien en plein milieu. On va essayer de pas empéguer un canard, non c'est bon. Donc là je sens le fond, donc du coup je vais remonter ma canne pour éviter d'accrocher le leurre. Les deux derniers produits de la box, donc l'ATP vous l'avez vu, je m'en suis servi au début, donc c'est les Jig Head Mix de chez Quantum. Donc c'est vraiment un concept très sympatoche, c'est tout simplement des grammages différents. Donc là vous avez 5, 7, 10, 14 grammes en 3-0. Donc surtout pour la box, c'est vraiment super adapté, ça va vraiment vous filer 4 grammages pour vous permettre de vous adapter aux différents spots, à la profondeur que vous allez rencontrer. Et ensuite avec, vous aviez un produit très sympatoche, c'est tout simplement, donc là c'est la Screwing Blade toujours de chez Quantum. Donc c'est une palette avec une vis que vous allez pouvoir venir fixer sous vos leurres. Donc si un jour vous remarquez que par exemple vous avez un beau soleil, que les poissons sont sensibles à des reflets lumineux de ce type là, vous allez vraiment pouvoir adjoindre à votre leurre souple une palette qui veut, donc ça va rajouter de l'attractivité, ça va rajouter des flashs lumineux et ça pourra permettre de déclencher une touche. Donc vous le vissez juste en dessous de votre leurre souple au niveau de la hampe de la tête plombée, histoire de cibler l'attaque, que le poisson vienne vraiment cibler au niveau de la palette et donc de l'hameçon. Ça sera toujours un petit plus pour vos leurres. Sur la box médium, je pense vous avoir tout dit, donc comme d'habitude dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.